salutations. Alors, on va faire monter le jury pour vous le présenter, pour que vous voyez de quoi il en retourne et de quoi on en parle. Alors, on va accueillir, on fait un tonnerre d'applaudissements pour Neria, s'il vous plaît. Ouais. Oh là là, trop belle, avec sa loque sédimentaliste là, oh là là, waouh. Vas-y, viens par là. Waouh. Oh là 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 là. Oh waouh. Oh, c'est les ailes. Oui. Du coup, alors, j'espère que je le prononce bien. On va appeler, s'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements pour Zekouzou. Oui, c'est bon, je le prononce bien. Ouais, on l'applaudit bien encore, c'est pour elle. Oh là 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 là, qu'il est beau gosse. Et il en reste. Oh waouh, qu'il est beau. Oh, il peut bouger les pecs. Après, on verra. Après le concours, peut-être. Oui. Ah oui, alors montre-nous la danse des pecs, s'il te plaît. Mais non, mais pas maintenant. Pas maintenant, il a dit. Il a dit pas maintenant. Après, ça veut dire. Après. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sombre. Oh, yeah. Oh, ça commence un petit peu. Il a spoil. Et je vous prie d'accueillir notre troisième jury. Vops, s'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements. On applaudit bien fort, merci. Et voici nos trois jurys. Merci à vous d'être venus, d'être là. Impartialité, comme d'habitude, totale et totale. Hein, voilà, c'est ça. J'espère vraiment que vous allez vraiment bien débattre. On a des beaux costumes. J'en ai vu un petit peu là-bas. Vous êtes un peu spoilés aussi, puis vous avez fait le prejudging. Mais ça, on l'expliquera un petit peu après. C'est un truc que je vous expliquerai pour ceux qui ne connaissent pas, etc. Le prejudging. On les applaudit à fond. Ils vont prendre place, s'il vous plaît. Merci, jury. Allez-y, vous pouvez aller sur votre table et. Et on va commencer le concours. Ouais, sur la table. Sous la table. Oh. 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 Wow, wow, wow. Tout de suite, ça propose déjà des bails un peu chelous. Oh là 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 là. Ah. On est bien là? Ouais, ça va? J'attends un petit peu que ça descende, etc. Pour pas que ça casse les trucs et tout. On sait jamais, tu vois. On sait jamais. Ah oui. Ah. Oh. Tu veux faire un peu d'ASMR? Est-ce que vous connaissez l'ASMR ou pas? Ouais, vous connaissez? Quoi? Merci. Allez, on applaudit s'il vous plaît. Bon, allez, on arrête, c'est bon, on arrête. On s'amuse. Désolé, c'est bon, on arrête. Je fais le concours. Bon, vous êtes chaud pour première participante? Ouais? Ouais? Ok. Est-ce que vous connaissez un univers avec des fées? Bon, ouais. C'est quoi? Vous connaissez le. Ça vient de quoi? Ok, j'ai même pas besoin de le dire. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Bloom, The Winx Club. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, Sogi Taku. On l'applaudit bien fort. Et on va lancer. We'll be right back.
on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. C'était Bloom de Winx Club. Merci beaucoup. Merci à ta petite photo. Un peu là, la petite pause. Ok, on fera toutes les photos après, messieurs, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Je suis désolé. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis intransigeant. Moi, j'en ai marre. Ouais. Moi, les photographes, ils me cassent. Allez, on l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. C'était Bloom de Winx Club. On va continuer avec la prochaine. Une saga. Non, monsieur. Pour l'anecdote, hein, parce que quand même, je vais le dire, parce qu'il y en a certains qui sont là. Je fais pas mal de conventions sur le Sud-Ouest. Eh ben, à la sortie d'un truc. Et en fait, j'ai des gens que je connais un petit peu qui me suivent. Et ils s'appellent la team spoil parce qu'à chaque fois que je fais des présentations, eh ben, ils spoilent tout le temps. C'est-à-dire que j'ai même pas commencé à dire bon, et là. Oh, tu me laisses. Ouais, voilà, boum. Hein, c'est bon maintenant. La... Oui, ouais, mais c'est bon, hein, voilà. Bref. Bon, c'est une saga très connue. Aladdin. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter le personnage, très connu, très forte, une femme forte, qui, je pense qu'elle va nous casser les bouches après quand elle va maîtriser la force, en mode un peu vénère quand même. Je vous prie de faire une ovation pour Rey de Star Wars. Et on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, c'était Rey de Star Wars. Reviens un petit peu, reviens. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, elle est là, la petite Rey. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Oui, j'aimais bien, j'ai attaqué un peu, c'est pour ça que je voulais qu'elle revienne et tout, pour que vous la voyez. Si jamais on l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît, Song Itaku. Merci, c'était Rey de Star Wars. Ok, alors on continue dans une saga. Il y en a beaucoup qui m'aiment pas pour ça. Alors j'ai pas regardé des films. Aïe, 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 quelle erreur du joueur français, les amis. Quelle erreur. Ouais, c'est my bad. Mais c'est en prévision que je regarde au moins les films ou alors que je fasse des livres audio. Parce que je suis un peu flébard pour lire, tout simplement. Je suis un peu teubé, donc j'arrive pas très bien. Bref, allez, on passe. Donc, apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est une sorcière qui est un peu folle. Ouais. Je vous prie de faire un tournoi d'applaudissement pour Bellatrix de Harry Potter, s'il vous plaît, Song Itaku. We'll be right back.
Voilà, tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Bellatrix. Oh là 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 là. Wow. Alors là, tu vois, non, je vais commencer ce soir. Là, tu m'as vraiment donné envie. Magnifique prestation. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. C'était Bellatrix de Harry Potter, qui est une sorcière un peu folle. Mais ça, je pense que vous l'aurez... Hein, oui. Allez, on continue. Ah, donc... Non mais... Bon. Moi, j'en ai marre. Je travaille avec des gens qui me trollent, mes amis. Ouais. Ah, ouais. Alors, voilà, il y en a une derrière qui rigole, il y en a une qui se fout de ma gueule là-bas derrière. Et t'es con, ça doit. On a dit pas ça. C'est pas bon en 2018 maintenant. Bref, si je vous fais ça. Il y en a qui connaissent un petit peu. Donc, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Erza en gender bender, s'il vous plaît, Sogi Takur, on applaudit bien fort. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je peux baisser le doigt, mais les amis, j'ai le droit. C'est bon. Merci. Je reste comme ça? Ok, allez, c'est parti. Ah, oula. Alors. Ah, bref. Je reprends ma tablette. Oui. Deux. Ah, dame. Ah, tan. Je viens d'avoir dans l'oreillette, une oreillette physique, hein, mon oreillette. Vous pouvez... Oui, alors attendez, on va faire une présentation en bonne et due forme. Attends, parce que là je viens d'avoir un bug. Est-ce que tu peux cliquer sur le jaune là? Merci. J'ai eu peur. Alors, ici, vous avez, membre de la Outer Space, tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Charlène. Elle est là, ouais. C'est celle qui organise et qui s'occupe de l'organisation de tous les concours cosplay chez nous. Donc, c'est grâce à elle que vous pouvez voir tout ça. Donc, l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Et donc, de par Charlène, mon oreillette physique, je n'ai pas le droit d'annoncer la prochaine personne qui va arriver. Je vais juste me taire et laisser place au mystère. Et on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Il y a eu un petit bug dans la bande-son.
On a eu un petit bug. Tu peux l'attraper derrière si tu veux. Non, applaudissez bien fort, s'il vous plaît. C'était, du coup, est-ce que vous avez deviné quel personnage c'était? Non. Là, c'est ça, c'était l'épouvantail de Batman. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît, bien fort. Prestation stylée, mais comme d'habitude, parce que je te connais. Allez. Ah ben, oh oui, mon petit. Oh là là, ça fait plaisir, je suis content. On l'applaudit encore une fois, c'était l'épouvantail de Batman. Yeah. You know Batman. Vous la fin. On continue. On a fait du DC. Donc si on fait du DC, on fait du... Ouais. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, j'ai fait exprès de leur dire de venir avant. Comme ça, eh bien, vous pouvez pas spoiler. Merci Deadpool. Ça passe trop bien avec les yeux et tout, c'est trop bien. Non, bien sûr, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissement pour Deadpool et Scarlet Witch, s'il vous plaît, sans du taco. Ils sont là, ils sont pauvres. Une fois, il y a Deadpool. Vas-y, bouge ton boule un peu, Deadpool. Vas-y, bouge ton boule. Bouge ton boule. Ouais, ouais, bouge ton boule. Allez, allez, allez. Ouais, merci Deadpool et les applaudis bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je vous avoue que, voilà, c'est la fin. Et quand je vois des prestations comme ça, mon cerveau, il fout à vue d'œil. Et là, c'était vraiment marrant. J'ai bien explosé derrière. Ça fait du bien. C'était très sympa. Hop, mets-toi, voilà. Hop, la pute. Ah. On aura fait pas mal d'univers en ce moment, enfin aujourd'hui plutôt. On est passé du comics, on a fait aussi un petit peu de Disney, et ça c'est mon kiff personnel. Et là, on va passer sur du Lord of the Ring, donc le Seigneur des Anneaux. Et où ils sont là, ils sont bons, ils arrivent, vous les voyez un petit peu. Et je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour le Hobbit et le Nazgûl de The Lord of the Ring, les amis. Thank you.
On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. C'était le Oumi, est-ce que c'est leur top souris? Non, s'il vous plaît les amis, faut arrêter les prestats comme ça. Moi je m'attends pas, je vois un truc cabestiné et tout, en mode ouais on va faire un truc vraiment bien en scène et tout. Et là t'entends tout 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 tout. Non franchement, on les applaudit encore s'il vous plaît, ce petit à coup. Parfait. Alors, tout à l'heure les amis, on a fait un peu de gender bender. Donc le gender bender en fait c'est quand on s'approprie un personnage d'un sexe opposé et qu'on le transforme en autre sexe entre guillemets. Donc là c'était Erza, donc Erza vous connaissez tous, cheveux rouges, normalement c'est une fille, là c'était un garçon. Sauf que là on va faire du crossplay, donc ça veut dire quand, quand on fait quelque chose du sexe opposé mais qu'on s'adapte. Donc là vous voyez un petit peu, de toute façon lui il a fait du bruit un petit peu sur certaines conventions d'avant, j'avais déjà vu, il est assez waouh. Enfin je sais pas trop comment dire, t'es assez sexy quoi. Je vois un petit peu flou là, bref j'arrête. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Lara Croft, s'il vous plaît, de Tomb Raider. Waouh. J'ai trouvé un oisillon par terre. J'ai cherché l'arbre dans lequel était le nid, mais le nid était trop haut. Il fallait que je monte à l'arbre pour replacer l'oiseau, alors j'ai mis l'oiseau dans ma poche. J'ai cherché des prises dans l'arbre, j'y ai mis mes mains, un pied, j'ai pris mon élan, j'ai levé l'autre pied. Et là... avec je sais pas comment on peut définir ça, c'est des ouais voilà du carton hein, des dessins polygonométriques hein, ouais voilà exactement, théorème de Pythagore. Bref, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Vous connaissez Harley Quinn? Mais vous connaissez pas Mister Harley Quinn? Non! Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est encore du gender bender. Et je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Mister Harley Quinn de Batman, s'il vous plaît, son Gitaku! Yeah.
Et on applaudit bien fort, s'il vous plaît. C'était Mr. Harley Quinn. En gender bender, tonnerre d'applaudissements à lui, s'il vous plaît, Kitaku. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va pouvoir passer à la prochaine personne. Prochaine personne. Moi, j'ai bien aimé. C'était la K-pop pour ceux qui ne connaissaient pas. Je sais qu'il y a quelques fans. Je dis quelques. Mais je peux pas. Ouais, je voulais dire quelques avec ES. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Ouais, c'est bon. Écriture inclusive, tout ça, tout ça. J'ai respecté, c'est bon. Oui? Ah, quoi? Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? En fait, allez, allez, la roue, allez, vas-y, je suis chaud, vas-y, c'est bon. Allez, je te fais une roue, c'est bon. Non. Non, mais je vais lâcher un truc, ça va être bizarre. C'est pour eux, hein. Bon, allez, viens, c'est bon, on va faire un porté. Voilà, et voilà, allez, on vous applaudit, c'est Nico, s'il vous plaît. Président de la Winter is Past, l'association qui s'occupe du cosplay, des meilleurs. Arrête. Bon, on n'a pas prévu ça, on n'a vraiment pas prévu, je ne sais même pas comment ça marche. Bref. Il n'a pas vu Dirty Dancing. Quelle erreur! On a pas la misère de bœuf, s'il vous plaît. C'est Nico, merci mon Nico. Je vous promets que j'étais pas très serein, quoi. Ça s'est peut-être vu, hein. J'étais là, bon, quand c'est que ça se finit, quoi. Là, j'étais pas chaud. Bref, voilà, c'est bon, tout est good. Attendez, je me rappelle bien. Arrête, putain, ça. Alors, cet animé que j'adore, un animé que j'adore. Qui est sorti il y a 2 ans. C'est bon ou quoi? Non mais. Fais mon travail, vas-y. Vas-y, annonce. Si tu veux pas. Hein? C'est bon, tu arrêtes? Voilà, non mais c'est. Ça va. Alors quand même. Oh, regarde ce que je suis obligé de faire maintenant là. Hop là. T'es prête? Alors, parce que j'ai. Oui. Ça vient de Boku no Hero Academia, My Hero Academia en anglais. Ce personnage, c'est Bae, pour ceux qui comprendront. C'est vraiment le personnage, c'est la waifu par excellence. Surtout en plus du héros, donc c'est encore mieux. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Ochako Uraraka de My Hero Academia Sogitaku!
Et on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, c'était Oshako Uraraka. Uraraka. Merci beaucoup, on l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Le meilleur personnage de My Hero Academia. By far. By très très far. Alors, bon, mes amis, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Oh, ouais, c'est comme ça. Mais il en reste encore un dernier quand même. Ah, et pas des moindres. C'est deux animés différents. Est-ce que je peux en faire un? Un? Juste un? Merci, j'ai du public. Retrouvez-moi tous les soirs à Lannemezan à 18h au bar. Non, j'arrête. Allez, c'est bon. Vous connaissez une vidéo de 10h où la fille fait Yuki, 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 Yuki. Voilà, c'est ça. Donc ça vient de. Ça vient de Mirai Nikki. Et c'est. Ah oui, 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 oui. Ah ouais, j'avais. Voilà, j'avais pas vu. Pour ceux qui se posent la question de c'est quoi le personnage, tu peux te lever un petit peu. Voilà, pour montrer un peu le tourne-toi. Tourne-toi vers là-bas. Non, juste ici, c'est trop bien, regarde. Hop là, regardez, voilà. Vous voyez, c'est une fille, elle n'est pas très bien dans sa tête, quoi. Hein, elle va pas très bien. Mais d'ailleurs, elle a un couteau sur elle, là. Bravo. Bien. Bravo. Pardon? Une yandere. Oui, oui, c'est vrai, c'est une yandere. Une yandere. Bref. Et à côté, ça vient aussi d'un animé qui n'est pas très super marrant. Waouh, on s'enjaille, c'est très bien le bonheur. Vous connaissez Tokyo Ghoul? Ouais, voilà. Bon, Kaneki, c'est le personnage principal. Et bon, dans la saison 1, ça va encore. Bon, dans la saison 2, je parle pas de la saison 2. Voilà, les vrais savent. Yeah. C'est sec. Waouh, ce que tu viens de dire, ça passe pas. Bref, vous faites un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour les derniers participants, Yuno de Mirai Nikki et Kaneki de Tokyo Ghoul Sogitaku, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements. Ah oui, c'était... Tiens, je vais lui passer le micro. Tiens, je te donne le micro. Est-ce qu'on lui ferait pas un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, Gitaku? T'inquiète pas, c'est la famille. Il faut juste que tu te lâches, d'accord? Je te fais confiance, tu te lâches. D'accord. On l'applaudit encore, s'il vous plaît! Applaudis bien fort, Gitaku! Les deux, ils étaient jolis, ils étaient beaux, bravo à vous! Vous êtes montés, et alors ça, c'est bien. Parce que ça, vous savez pas, mais ça peut être stressant de monter sur la scène, c'est pas facile. Elle a pris son courage à deux pieds et à deux mains, elle est montée sur scène, et à la fin, je pense qu'elle a kiffé. Donc on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît! Et on va lui faire des câlins, si on a envie de lui faire des câlins. Allez, c'est moi qui offre la rasette câlin, là. Allez hop, on va lui offrir des câlins.
Quant à nous, quelle heure se fait-il, les amis? Parce que nous, c'est la fin, là. C'est la fin. Il est quelle heure, s'il te plaît? 14h52. On laisse combien de temps, les amis, pour le jury? Vous avez besoin de combien de temps, à peu près, vous pensez? 3 heures? Pas de problème, hein. Bon, on leur laisse 3 heures. On se retrouve l'année prochaine. Voilà. Non, on va vous laisser 15 minutes, 20 minutes, tranquille, comme ça. Moi, je peux boire un petit peu d'eau aussi, parce que je vous avoue que j'ai chaud. Et, pardon. J'ai pas mal. 20 minutes, ben oui, c'est bien. Parfait. À dans 20 minutes pour le résultat du concours. Le jury va aller délibérer. Vous pouvez rester par ici. On se retrouve dans 20 minutes. À tout à l'heure. Des bisous. Bisous, caresses. J'en vois. Ici, ouais, ouais. Vous êtes bon là dans le public, c'est bon? Ouais, c'est bon? Ouais, mais vous êtes chaud, je pense. On accueille le jury. On va faire monter le jury. Donc, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Neria, pour Zekusu et pour Vamps, les trois jurys du concours de Sogitaku qui ont été impartiales. Impartiales. Voilà, impartial. Moi j'y étais, hein. C'est pour ça que vous m'avez pas vu, je suis parti là-bas et je suis là, ouais. Non, mais t'as la pression, tu sais, j'étais derrière avec des notes. Dès qu'ils étaient un petit peu trop partial, on remet un petit peu d'impartialité dans la tête. Non, mais alors, ça s'est bien passé? Très bien. Ça s'est bien passé? Très bien, on n'était pas d'accord. Ça s'est bien passé? On n'était pas d'accord. Voilà, bon. Au moins, voilà, ça résume bien le truc. Oui, oui. Alors, ok, super, donc ça s'est très bien passé. On a pris les décisions qu'il fallait. Enfin, on. Il. Parce que moi, non. Je vais pas commencer à dire, voilà, non, bah, je n'ai aucune mainmise sur les notations, bien sûr. Non, c'est vrai en plus. J'aimerais bien, mais je pense que j'ai pas le niveau pour pouvoir noter. Bref, c'est une autre histoire. Avant de commencer, je veux juste vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant les coulisses. On a fait ce qu'on appelle un pré-judging avant le concours, où en fait, les cosplayers sont venus dans les vestiaires et ont été jugés par le jury, mais de façon très de proximité, c'est-à-dire qu'ils ont pu regarder les costumes, etc. Ils n'ont pas tout jugé directement sur la prestation ici directement. Donc, ils ont fait leur pré-judging, ça a duré une petite heure. On a fait la prestation et là, ils ont rendu leur verdict avec la note de la prestation et la note du pré-judging. Et ça s'est fait dans les vestiaires. Voilà, c'était pour vous expliquer parce que je pense que c'est important que les gens comprennent parce qu'il y en a plusieurs qui ne comprennent pas. Et ça, il faut le dire. Voilà, on va commencer, messieurs, dames, la remise des prix. On va commencer avec les prix un peu coup de cœur. Les prix qui nous ont fait vraiment, vraiment plaisir. Je vais dire le nom du prix, je pense que vous allez savoir de qui je vais parler. Je veux que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour le prix paillettes pour Bloom de Winx Club, s'il vous plaît! Elle peut venir, elle a gagné le prix paillettes, muchachas! On applaudit bien fort, s'il vous plaît, Kitaku, c'est le prix paillettes! Elle fait le petit bisou, elle fait le petit bisou, le petit remerciement. Ah là là, moi j'adore ce moment-là. Merci. Ah mais ouais, moi non. Tu fais un bisou moi aussi. Merci. Elle a gagné le prix paillettes. Alors, je sais pas trop c'est quoi. Ah, alors. J'ai failli dire ce qu'il fallait pas dire. J'ai dit dans la tête. Mon assistant vient de monter. Du coup, on applaudit Nico, s'il vous plaît, président de l'association Méta Espace qui s'occupe justement de gérer tout ça. Et donc, qu'avons-nous pour son lot? Une magnifique tasse Zelda. Magnifique tasse Zelda pour le prix paillette, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Alors, deuxième prix coup de cœur avant de passer au podium. C'est le prix, alors, les plus smart comprendront très vite. C'est le prix du 4 mai. Ah, qu'est-ce que c'est le 4 mai? May the Force be with you, je vous demande d'applaudir Rey de Star Wars pour le prix du 4 mai. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, Kitaku. Et oui, elle est là, avec sa prestation qui était trop bien. Je suis trop content. Hey, hey, la petite bise, c'est le bisou. Moi, merci. Oh, vous faites la bise, ouais, bah, tu fais la bise. Mes enfants que je n'avais pas, que je les aime. C'est bon, je l'ai. Non, mais reprends ma tablette, par contre, pour l'heure. C'est normalement, c'est moi qui fais ça, pas toi. Pardon? Oh. 2018? Non, les amis, vous le savez bien. Maintenant, je vais laisser le micro au jury et je pense qu'on va faire 3, 2, 1.
Ça vous va? On ne lui fait pas de... Oh, mais non, putain. My bad, je suis un peu fatigué. Nico, l'assistant, quel est le prix? L'oreiller Star Wars. Wow, il est beau, il est chaud. Elle va pouvoir dormir avec Yoda. Ah, c'est bon. Désolé, parce que Yoda, c'est pas très sympa de dormir avec Yoda. Oh, toi. Bon, après, ça se trouve, il raconte de très bonnes blagues. Le psy, je ne critique pas. C'est comme ça. On fait le troisième. Qui c'est qui veut l'annoncer? Tu peux le faire? Qui c'est qui veut l'annoncer? Je te laisse le micro. Oui. Je voulais pas me tromper pour faire comme aux Oscars, donc j'ai pris le diplôme, c'est bon. Et le troisième prix est attribué à... Scarlet Witch et Deadpool. Ouais. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, Gitaku. Deadpool et Scarlet Witch de Marvel, yeah. Oh, yeah. Vous faites le bisou un peu ou vous faites pas de bisou? Hein. Mais on n'a pas le temps, on a tout le temps que j'ai envie. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps de faire le bisou. Le bisou, le bisou. Le bisou, le bisou. Waouh! Waouh! T'es cool! Moi, j'ai plus mes mots. Alors, Nico, la petite assistante, quoi. Faut pas dire la. Bref. Hop, 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 hop. On a dit non, on a dit pas non. Alors, que gagne-t-il? On a fait un prix par personne, parce qu'on n'est pas des chiens. Pour toi? Oh, Pikachu tout mignon! Et pour toi? Je pense que c'est le meilleur prix de tous les temps. Je pense qu'il est hyper heureux. Alors, ce que je vais proposer, les amis, c'est de se décaler un petit peu pour que tout le monde puisse rentrer. Non, mais il commence déjà à toucher. Ah ben, bravo! C'est 18 plus, hein. Allez-y, voilà, vous pouvez passer par là. Hop là! Je passe le micro pour le deuxième prix. Et le deuxième prix est attribué à... Bellatrix. Et on applaudit bien fort la Bellatrix, s'il vous plaît, pour sa superbe prestation. On applaudit la Bellatrix de Harry Potter, le film que je vais regarder ce soir en rentrant chez moi. Oui. Oui, monsieur. Oui, c'est vrai. Enfin, peut-être pas, mais si, je vais regarder. On applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Ah, deux fois bise. Oh. Merci. À partir du 4, d'accord, ok, très bien. Bon, je vous appelle les 4 premiers alors. Je risque de pas trop comprendre, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà, par ici. Et la petite assistante, quoi. Vas-y, viens, petite assistante. Alors, qu'est-ce que... Quoi qu'on a gagné? Des baguettes de rechange. Oh, cas où c'est la clé, on a encore. Un magnifique bracelet byzantin. Un bracelet byzantin. Fait main. Oh. Et un bon d'achat chez Rétro Univers, ici présent. Merci Rétro Univers, de combien? De 15 euros, merci Rétro Univers. Des bisous, je sais pas où vous êtes, mais je vous fais un cœur. Je sais que tu me vois, et si tu me vois, je t'aime. Voilà. Moi aussi. Deadpool aussi. Voilà. Allez, je vais passer le micro pour la première place. Danse des pecs, danse des pecs, vas-y, danse des pecs, danse des pecs, vas-y, danse des pecs. Ah, vas-y, montre. Oh! Wow! Je suis toute chose entre le Deadpool et le Tigre. Alors. C'est chaud. Donc, la première place, on n'a pas longuement hésité, mais bon, presque. La première place pour. Oh. Attention, je vais le dire vite. Le Diobit. Le Diobit, on les applaudit bien fort. Le Diobit, c'est parfait. On les applaudit, s'il vous plaît, Gitaku. Ce sont les grands gagnants du concours Cosplay 2018 de Gitaku. Ils l'ont amplement mérité.
C'est vraiment... je pense que c'est tout fait à la main. Et c'est vraiment beau. Très très beau. Très 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 beau. Très belle prestation aussi. Qui m'a un peu fait fondre le cerveau. Mais bon, comment dire. C'est ce qu'on veut. Et eux, ils sont comme ça, ils font la bise à tout le monde. Moi, je peux avoir un bisou d'Asgul ou pas? Ah ouais, j'ai eu un bisou d'Asgul. Les abonnés de la France, s'il vous plaît. Les grands gagnants. Et donc, du coup, ma petite assistante, quoi. Allez, vas-y, viens. J'ai trop... Non, non. Non, y a pas... Après. Afin de partager des divins pique-niques dans le Mordor, voici chacun une bête to box. Voilà. Voilà. Et pour vous filmer, forcément, bah, une GoPro. Pour avoir des bons souvenirs du Mordor. Et donc, on les a promis maintenant, ils ont gagné une GoPro avec les bento. Bento, ma bento. Et voilà, Gitaku, c'est fini pour nous. J'espère que vous avez apprécié ce concours cosplay. Nous, on s'est vraiment amusé. Merci beaucoup. Je vais demander à tous les participants s'ils veulent bien de... Ah oui, alors attendez, parce que j'ai deux... Je vois deux énergumènes là-bas qui arrivent. Ils veulent pas monter là? Ah non, voilà. Ah ouais, c'est ça, ça fait les shows et ça va. Vas-y, papy, vas-y, allez. Donc du coup, messieurs, dames, on va vous quitter ici. On va faire monter tous les cosplayers si vous voulez prendre des photos. Donc montez. Monte par le... La... Par... Bon. Respecte ma putain d'autorité, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Non. Oh, mais non. Lara Croft, Deadpool, Nazgul, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, je pourrais dire maman, j'en ai vu. Hein. Bref, allez, on va tous les faire monter. Ils vont venir. Si vous voulez prendre des photos, mettez-vous là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous avancer pour venir prendre des photos. N'hésitez pas à vous avancer vous aussi sur la scène. Venez, avancez. Avancez, oui. Moi je suis le plus petit, moi je vais faire. Et en attendant, pendant les photos, messieurs dames, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la tombola qui coûte 2 euros. Vous pouvez acheter des billets à la bibliothèque et peut-être remporter une Xbox One S. Je remercie également tous les exposants qui nous ont donné ces lots à partager pour le concours cosplay. Donc merci à tous les exposants de Kitaku. Ouais, bien sûr. Voilà. Je remercie aussi également la FNAC de Cap Verde pour les Xbox. Bon, c'est pas trop en relation, mais bon, c'est des partenaires, donc on les met tous dans le même lot. Merci beaucoup les partenaires, on vous aime. Merci beaucoup de nous avoir donné ces lots. C'est super. Merci à Winter Espace pour d'avoir organisé ce concours. Merci beaucoup. Merci à l'organisation de So Kitaku d'avoir donné l'occasion de faire ça. Et mais merci à vous, public. Je suis caché, hein, vous ne voyez pas, moi je vous aime. Je me décache. Merci à vous. Ouais. Les photos, ça devrait être bon, du coup, parce qu'il commence à avoir chaud, je pense. Ouais, je peux me relever. Bravo, vous pouvez vous applaudir une dernière fois. Merci beaucoup pour ce concours. Vous étiez comme ça. Je peux pas faire les cœurs, mais vous étiez comme ça. C'était trop bien. Vous êtes un génial public. Vraiment, au taquet, tout, on peut gagner, rigoler. Ça, c'est vraiment bien. Désolé de dire qu'il y avait tout le temps, mais bon, bordelais. Désolé. Ah, je sais. Des bisous. Bisous, caresses. Et moi, je reviens vers vous dans pas très longtemps. Une demi-heure, une heure, un peu à peu près, pour un blind test. Mais... L'escadron du Sud vous le dira tous. Parce que sinon, moi, je vais mourir. Hein. Donc, du coup, je vous dis dans une demi-heure, une heure, pour un blind test. Ou alors, ce sera du Just Dance. Je sais pas trop encore, on va comment on va s'arranger. Voilà. Merci à vous. Bye bye. Oui. Ah merde. Tu vois, c'est le...